Coucou les Sagittaires, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. Donc pour le mois de décembre 2023, on va un petit peu regarder ce qui sort en particulier comme énergie pour vous pour le mois à venir. Donc on va aller voir un petit peu le côté professionnel, le côté émotionnel, un petit message conseil et puis le blocage que vous pouvez rencontrer en ce moment. Alors on a la carte de l'estime de soi. Les loulous, vous vous sous-estimez, qu'est-ce qui se passe? Les Sagittaires, il faut absolument que vous arriviez à retrouver l'estime de soi. Cela va vraiment vous permettre d'arriver à reprendre confiance en vous, arriver à y voir plus clair dans les choix que vous voulez, pour arriver à avoir un meilleur discernement des choses. Là, il y a vraiment une faible estime de vous-même qui ressort et qui vous bloque dans votre vie. Ça peut interférer dans différents domaines. Mais voilà, c'est vraiment un domaine sur lequel vous devez travailler en ce moment. Un petit message conseil où on vous parle également de déconstruire vos peurs. Donc, déconstruire vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. On vous parle également d'une remise en question, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actes ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Là, je pense vraiment qu'il y a des peurs, il y a des blocages en vous en ce moment qui sont clairement directement liés à une mauvaise estime de vous, ce qui vous amène à pas faire les mauvais choix, mais un petit peu quand même, ça vous empêche de voir vraiment clairement une situation. Ça provoque des blocages, ça provoque des peurs, ça provoque des angoisses. Et voilà, tout ça entremêlé, les décisions qui sont à prendre, les actes que vous faites ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous voulez réellement au fond de vous. Clairement, vous vous mettez un petit peu, entre guillemets, hein, c'est facile à dire, j'en suis bien consciente, vous vous mettez un peu vous-même des bâtons dans les roues. Donc il faut vraiment arriver à croire en vous et puis à avoir une meilleure image de vous-même. Hein. On est tous des êtres à part entière, des êtres uniques. On a tous nos qualités, nos défauts. Ne laissez personne vous dire que vous êtes mauvais, que vous êtes nul. Non, 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 n'écoutez pas cela. Ayez confiance en vous, prenez soin de vous et vous verrez qu'au niveau de vos actes, au niveau de vos pensées, vous allez vraiment arriver à y voir un petit peu plus clair. Au niveau émotionnel, ça ressort énormément là, les blocages. On a les deux cartes de blocage. On a le blocage matériel, on a le blocage financier, le blocage des mémoires karmiques. Clairement, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Il y a des chaînes là qui vous retiennent, qui vous empêchent l'accès à cette fameuse voyez, zone de magie, hein. Donc il faut absolument arriver à travailler là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Mais voilà, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire et vous êtes capable d'arriver à vous aimer, à apprendre à vous aimer beaucoup plus et à vous rendre vraiment compte de votre réelle valeur. On vous parle beaucoup aussi, enfin là au niveau, la carte de l'enfant peut représenter également tout ce qui est le domaine du foyer, de la famille, de ses propres enfants, de ses parents, le domaine familial dans lequel il y a des blocages. Alors est-ce que des gens voilà, vous ont dénigré? Est-ce qu'il voilà, y a quelque chose là qui bloque par rapport qui bloque par rapport au foyer. Mais on vous dit bien que là, ce mois-ci, vous allez avoir en fait des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir là, on nous parle par exemple de rencontres par synchronicité, c'est-à-dire que l'univers va vous envoyer des messages, des signes. Ça peut être par l'intermédiaire d'une personne, par l'intermédiaire d'une même des fois d'une chanson, c'est quelque chose qui va vous faire un petit peu cogiter, qui peut vous faire un petit clic en fait, pour arriver un petit peu à dépasser justement ces blocages-là qui vous freinent et qui vous minent un petit peu en ce moment.
Donc ça va tout doucement se décanter, mais il va falloir vraiment un temps d'introspection par rapport à cela, hein. Et vous verrez qu'après, au niveau, vous allez vous sentir vraiment libéré, c'est vraiment le mot, puisque là, on a vraiment l'image de la chaîne. Donc là, ce qu'on peut vraiment vous dire, c'est une image de libération. Au niveau professionnel, mes loulous, on nous parle, il y a quelque chose, excusez-moi, le toutou, il y a quelque chose là pour lequel vous vous êtes battu à corps et âme. Qui vous a vraiment épuisé, qui vous a vraiment miné. Vous avez, je pense, donné toute l'énergie que vous avez à donner, que vous pouviez donner du moins. Mais on a la carte du soleil qui suit derrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui va mener à une réussite, qui va mener vraiment à une victoire. C'est vraiment le fait de luminer, de briller. Donc vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Ça a été quelque chose qui n'a pas été facile pour vous, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais voilà, vous allez arriver à un résultat. On a une femme qui a un impact là, au niveau du professionnel. Ça peut être vous, ça peut être une collègue ou autre. Il y a quelqu'un qui va vraiment interagir justement dans cette lumière, qui va vraiment vous permettre d'atteindre cette lumière-là pour laquelle vous vous battiez corps et âme. Et vous allez vraiment avoir en fait des opportunités. Il va y avoir des chemins qui vont s'ouvrir. Vous allez avoir pour certains d'entre vous quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Et cela va vraiment vous permettre en fait d'avoir un nouveau départ, de pouvoir enfin lever l'ancre de cette situation usante dans laquelle vous pouviez vous trouver et enfin vous lancer un petit peu dans l'aventure, hein. Donc c'est un beau tirage professionnel, hein, parce que vraiment, voilà, il y a quelque chose. Vous avez vraiment tout donné là dans quelque chose et vous allez briller, vous allez vraiment obtenir satisfaction par rapport à tout ce que vous avez pu donner. Donc c'est un très beau tirage les Sagittaires. Au niveau émotionnel, bon ben voilà, c'est dans l'ordre du temps. On a tous nos blocages, on a tous nos... Et il faut arriver à les dépasser. C'est ce qui fait aussi la magie de la vie, parce qu'après on est fier de pouvoir avoir avancé, d'avoir pu s'élever. Donc voilà mes loulous, je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Allez, bisous, ciao!